ils sont plus réguliers sur le terrain. Parfois, ils viennent ramasser des matériaux qu'ils avaient déposés ici, qu'ils apportent ailleurs. Bon, on ne comprend plus rien. C'est pas pourquoi le travail est au ralenti. Les travaux d'asphaltage dans la commune d'Abomey-Calavi ne connaissent pas une évolution comparée à ceux d'autres contrées du pays. Ici, au quartier Agamondin, dans la rue opposée à l'entrée principale de la mairie d'Abomey-Calavi, les travaux ont démarré depuis le mois de février, mais sont au ralenti. Les ouvriers sont rares sur le chantier. Les caniveaux érigés sont presque à ciel ouvert. Une situation qui crée des désagréments aux riverains, surtout en cette saison pluvieuse. Quand il pleut, la voie est jonchée de boue. Les travaux sont lents alors que c'est une grande voie qui fait face à la mairie. Nous qui avons des boutiques au bord de la voie, nous souffrons. Avant, il n'y avait pas de stockage d'eau dans notre voie. Mais aujourd'hui, quand il pleut, on ne peut plus sortir. C'est le problème pour nous. Et les tuyaux, ils cassent les tuyaux en désordre. Même la SBE, même la SONEM ne viennent même plus reparer nos tuyaux. Et le repos, c'est trop. Ils font des semaines sans travail. Et quand ils se lèvent, ils viennent. Regarde les caniveaux, ils ont fait. Ils ne sont pas capables de fermer les caniveaux. Pourtant, ils ont fait le couvercle des caniveaux là. Quand ils font devant la devanture de certains, on ne prend même pas le soin de faire là où les voitures vont prendre pour rentrer. Et on laisse ça comme ça. On ne comprend plus. S'ils ne veulent pas faire le travail, qui nous dit ça? Ces citoyens apprécient, malgré les ennuis, le bien fondé du projet, mais appellent les autorités compétentes au secours pour la célérité des travaux.